Bonjour, bienvenue sur le loisir de Rachel. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce petit modèle de chalet fleuri. J'en ai déjà réalisé plusieurs. Alors, certains sont en manette, et puis celui-là, je l'ai monté en porte-clés. Vous allez avoir besoin, donc, pour réaliser ce petit modèle, de la grille. Vous allez pouvoir télécharger sur mon blog de perles à ma mini. Donc là, on va retisser. Alors, on va refaire un petit chalet enneigé. Donc, il va me falloir du blanc. On va prendre un marron un peu plus pâle. Et puis après, diverses couleurs. Là, c'est en l'occurrence. C'est des fleurs, voilà, les volets, la porte, voilà, bah vous mettez les couleurs que vous souhaitez. Voilà, donc nous allons démarrer ce petit pas à pas. Il va vous falloir aussi, j'ai oublié de préciser, du fil et d'une aiguille. Donc si vous le montez en porte-clés, donc d'une attache, d'accord. Et si vous en faites un petit manette, eh bien, deux manettes. Ça, c'est du manette qu'on a récupéré, enfin, de l'aimant qu'on a récupéré, mais sinon, ça se trouve facilement sur les sites de loisirs créatifs. Voilà, donc, c'est parti. Alors, donc, l'échelle de départ. L'échelle de départ, je l'ai mise là. Alors, on commence par deux perles. Là, j'ai choisi de faire la porte, les volets en rouge. Deux perles. Comme ça, on repasse dans cette perle-là. Reviens dans la perle 1. Troisième perle rouge. Voilà. Il faut bien tenir dans ses doigts parce que sinon, il est bien serré quand même. Le premier rang, il faut toujours bien le serrer. Voilà. Après, trois marrons. Là, passe dans celle-ci et on revient ici. L'échelle de départ est terminée. Maintenant, nous allons repartir comme ça. Alors, début de rang, deux perles. Là, deux perles noires. Deux perles noires. On va se placer entre la perle 2 et la perle 3. Si on regarde sur le diagramme, la perle 2, on ne voit pas trop bien ce que c'est du noir, qu'elle se trouve entre la 1 et la, entre la 2 et la 3 du rang précédent. Entre la 2 et la 3. Fais attention que nos perles ne s'en mêlent pas. En l'occurrence, ce qui s'est passé.
Alors. Donc entre la perle 2 et la perle 3 du rang précédent. Voilà, donc vos paires vont se mettre un peu comme ça. Donc vous repassez là. Vous revenez dans celle-là. Vous repartez comme ça. Là, vous êtes prêt à partir. Alors, la suite. On continue une paire. On va sous le pont d'à côté. Hop, une perle. On met bien notre perle. Repasse dans la perle. D'accord. Hop, voilà. Perle, elle se met bien. Après, deux blanches. Alors, ce modèle-là, il faut bien suivre les couleurs aussi, hein. Passe là, installe bien notre perle, on repasse là, les deux premiers rangs ils sont toujours un peu délicats à faire, voilà, deuxième perle. Deuxième perle blanche. Après, donc trois beiges. Trois. Un rouge. Deux beiges. Voilà. Donc là, vous continuez. Donc on va faire le rang ensemble jusqu'au bout. Comme ça, je vous montre une augmentation fin de rang. Alors, trois beiges. Une rouge. Une beige. Et donc une dernière beige. Alors augmentation fin de rang, il va falloir venir piquer sous le même pont que la perle précédente. Voilà. Donc là vous êtes là. Alors maintenant, on tourne l'ouvrage, il va falloir faire, donc ici, diminution, diminution, augmentation de fin de rang comme je viens de vous montrer, ici, et ici, quand on sera, vous serez arrivé là, on se retrouve et je vous reprends pour vous montrer la fin. Voilà, donc on est arrivé ici, là. Donc maintenant, on va mettre les trois blanches. Donc, la diminution. Deux blanches. Enfin, on commence par deux paires.
Voilà. Maintenant, voilà, il nous reste à mettre la rouge. Mais là, en fait, on n'est pas où il faudrait. Donc, on va repartir en arrière. Il va falloir qu'on ressorte dans cette perle-là. Ici. De façon à maintenant. Donc, on va mettre une jaune, une verte. Pour que notre perle verte tombe entre l'avant-dernière, entre la 1 et la 2 du rang d'avant. Donc, il faut qu'on tombe comme ça. En fait, là, il faut lire le diagramme. Moi, je lis le diagramme parce que... Et donc la dernière perle, ça fait une augmentation fin de rang. Hop, on tourne. Et là, il nous reste la jaune et la verte. Là, c'est une diminution toute simple. Donc, là, vous avez fait toute cette partie-là. Maintenant, toute l'autre partie, au final, c'est la répétition de cette partie-là. Donc, alors, comme vous êtes ici, vous êtes là, vous traversez vos perles de façon à ressortir à cette perle-là et à redémarrer. Augmentation, diminution, augmentation, voilà. Et là, c'est l'identique de ce que vous avez fait ici. Donc, vous traversez vos perles, hein, vous traversez vos perles comme ça. Hop. Vous arrivez là. Et vous continuez. Alors ce petit fil là, il faudra le camoufler. Donc vous prenez, hop, je vais vous montrer, hop, comme ça. Et vous revenez dans vos perles. Faites des petites allées venues. Hop. Vous coupez, essayez de couper bien la ras. Hop, si ça se voit, petit fil, hop, on refonde comme ça. À la fin, vous allez bien remettre vos perles comme il faut. Voilà, donc je vous laisse continuer. Au final, la répétition de ça, vous continuez comme ça. Et on se retrouve à la fin de votre petit chalet. Le petit chalet est terminé. Voilà. Donc, il est vraiment petit. Hein. Il fait 2,5. Alors, je vais vous montrer quelque chose en fonction des perles à main de l'endroit où vous les achetez. Ça, ce sont des amas mini que j'ai acheté sur un site en Chine. Et elles sont un peu plus hautes. Et du coup, il fait 2, presque 3 cm. Que là, il est un peu plus petit. Vous voyez la différence?
Inconvénient en fait, c'est qu'on ne peut pas les mélanger. Ça, c'est les amas, vraiment la marque AMA. Ça, c'est là, voilà, c'est d'autres que j'avais acheté avant, donc je ne peux pas mélanger. Sinon, ça va faire rien de bien, bien droit. Voilà. Donc, bah celui-là, volontairement, je ne sais pas si je vais en faire un petit porte-clés ou un magnète, on va voir. Et donc, si le tuto, j'espère que ce tuto vous aura plu. Pensez à activer le petit pouce bleu qui se trouve en dessous de la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, comme ça vous serez averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et bonne création!